finde gerade für Studenten, das ist jetzt schon das dritte Online-Semester, was es gibt, finde ich es sehr ernüchternd, dass ich mich jetzt gar nicht in Mainz befinde, dass das Studentenleben total fehlt. Normalerweise gibt es den Flurfunk, man trifft jemanden auf dem Weg, man tauscht sich aus, man kriegt super viele Ideen und man hört und sieht viel, was auch irgendwie gleichzeitig den Horizont erweitert, und das ist alles weggefallen. Eigentlich war ich ja noch nie in der Universität, aber ich vermisse trotzdem das Studentenleben, ich vermisse trotzdem meine Kommilitonen und den direkten Austausch vor allem mit ihnen. J'étais assez triste et assez isolé, mais également de l'autre côté j'étais assez chanceux dans le sens que j'avais la possibilité de communiquer avec ma famille par les moyens de télécommunication. Donc voilà, c'était assez étrange, j'étais isolé mais également souvent au téléphone. Was sehr schwierig war für mich bezüglich Corona, ist vor allen Dingen meine Fernbeziehung zu meinem französischen Freund. On peut malheureusement pas entreprendre tout ce qu'on veut. Et moi, je suis très dynamique, ça peut être un peu déprimant de voir que le Covid empêche d'avancer dans ses projets. Natürlich war es voll die Umstellung, dass man sich ein Stück weit einsamer gefühlt hat, aber um dem so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, hat man dann einfach versucht, im Rahmen des Möglichen Freunde zu treffen, ein bisschen rauszugehen. C'était un peu métro, pas métro boulot dodo, mais vélo lycée dodo, et on n'arrivait pas à avoir des perspectives assez loin. Voilà, j'ai envie de rester confiante en l'avenir, même si c'est pas évident, même s'il faut tout le temps s'adapter. J'essaie de m'engager justement à travers France Mobile. Pour moi, c'est un grand engagement finalement, puisqu'on essaie de maintenir les échanges en ces temps de pandémie où la mobilité est fortement réduite.